Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de remise des insignes de docteur honoris causa à Lisa Waddington, professeure en droit européen à l'Université de Maastricht et titulaire d'une chaire créée en coopération avec le Forum européen des personnes handicapées. Depuis 2008, la séance d'ouverture de l'année académique a traditionnellement été l'occasion pour notre université de mettre à l'honneur une personnalité qui se distingue par l'excellence de son parcours sur un plan scientifique, citoyen et humain. Cette année, c'est une première. La séance d'ouverture de l'année académique et la remise des insignes de Dr honoris causa ont été découplées, et ce pour une excellente raison, puisque Lisa Waddington était en séjour sabbatique à l'Université de Melbourne du mois d'août 2022 au mois de mars 2023. Si cette destinée la tenait éloignée de nous le jour de la rentrée académique, il se dit que la thématique choisie pour la conférence de ce jour n'est pas sans lien avec son séjour de recherche australien. Quand personnes en situation de handicap et université se rencontrent, réflexion en droit international et comparé, tel est l'intitulé de la conférence que Lisa Waddington nous propose aujourd'hui. Cette année est aussi la dernière année où l'Université Saint-Louis délivre un diplôme de docteur honoris causa en tant qu'Université Saint-Louis. Certains d'entre vous le savent, depuis au mois de septembre 2023, notre institution sera fusionnée avec l'Université catholique de Louvain. Et c'est donc au sein de notre nouvelle université que se dérouleront les DHC. Ce 16 mai 2023, c'est un recteur heureux que vous avez devant vous, non seulement au vu des perspectives institutionnelles qui s'annoncent, mais aussi et avant tout parce que les lunettes de Dr honoris causa chaussées ne peuvent que me conforter dans la direction empruntée et la perspective inclusive pointée et exceptionnellement dynamisée par celle qui, portée par une belle unanimité de notre conseil de direction, est appelée à me succéder, la professeure Isabelle Haché, que je remercie chaleureusement pour son engagement et sa remarquable détermination à servir notre institution au bénéfice du plus grand nombre. Lors de la rentrée académique 2008-2009, qui célébrait le 150e anniversaire de l'Université Saint-Louis, Les premiers insignes de Dr honoris causa furent délivrés notamment à Nel Paxinou. Metteuse en scène, comédienne et fondatrice de la compagnie Les Baladins du Miroir, Nel Paxinou s'exprimait en ces termes dans une dernière interview récente. Je la cite, « On parle aujourd'hui d'inclusion, eh bien moi j'ai créé l'inclusion. Parce que c'est moi qui ai fondé la compagnie, c'est moi qui ai engagé des gens et donc ils ne se posaient pas la question de savoir si j'étais handicapé ou pas, s'il fallait m'aider ou pas. Je n'étais pas moi en tant qu'handicapé, demandeuse de quelque chose, j'étais tout simplement leur employeur. Nous étions dans le même bateau, voire la même inclusion. » Comme université, quel plus bel hommage pouvions-nous rendre à celle qui nous a quittés
en octobre 2022, que de continuer à écrire l'histoire inclusive par le biais du doctorat honoris causa, avec comme un jeu de miroir entre le premier et le dernier doctorat honoris causa remis par notre université. De l'Université Saint-Louis à l'UC Louvain, c'est bien connu, il n'y a qu'un pas. Le 25 avril 2019, UC Louvain remettait les insignes de docteur honoris causa à Anna Lawson, professeure à la faculté de droit de l'Université de Leeds. Ses travaux concernent principalement, soulignait l'Université catholique de Louvain pour la présenter, le domaine en plein développement, le droit des moins-valides, mettant l'accent sur les droits de l'homme et le principe de l'égalité, ainsi que leur mise en œuvre dans les politiques nationales, européennes et internationales. De Anna Lawson à Lisa Waddington, comme vous le savez ou vous l'apprendrez, il n'y a qu'un pas aussi. Et s'il ignore peut-être encore, il en va de même entre Lisa Waddington et Joseph Chovanec, que je salue ce soir. Lors de notre rentrée académique du 28 septembre dernier, annonçant la venue de Lisa Waddington, j'invitais le public à retenir ce nom. Car nul doute avais-je souligné qu'à l'instar de Joseph Chovanec, Lisa Waddington marquera durablement notre université en nous offrant de la repenser autrement. Et de fait, en témoignent par exemple les travaux engagés pour rendre un peu moins inaccessible cet ancien auditoire et ses alentours. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier l'équipe technique de l'université qui a piloté les travaux, mais aussi l'un de nos étudiants, Atim Haddad, qui, avec le soutien de Clara Wotti, n'a de cesse de nous offrir sa précieuse expertise. C'est donc un recteur heureux que vous avez devant vous, disais-je. C'est d'autant plus vrai que cette assemblée réunit en présentiel ou en distanciel des personnes qui, de près ou de loin, ont toutes un lien avec la personnalité honorée, la thématique abordée ou notre université. Parmi elles, je salue en particulier la présence des ateliers Indigo qui vous ont proposé l'interlude d'ouverture et qui agrémenteront cette soirée d'autres moments artistiques. Depuis 2015, les ateliers Indigo accompagnent une vingtaine d'artistes en situation de handicap, actifs dans ces ateliers d'art plastique, de la scène et de la musique. Ce soir, comme l'an dernier, à l'occasion de la conférence Alter sur l'institution, la désinstitutionnalisation et le handicap, ils nous accompagnent et ils le feront tout au long de cette cérémonie que je nous souhaite hors catégorie, à l'image de la personnalité de Lisa Waddington que nous honorons. À vous toutes et tous, ici présentes ou en ligne, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir partager ce temps fort avec nous. Excellente soirée à nous. Dear Lisa, dear colleagues, dear students, dear friends. Chère Lisa, chers collègues, chers amis, un jour, on m'avait dit que Lisa Waddington serait là pour honorer notre université de sa présence. Si un jour, on m'avait dit que Lisa Waddington offrirait cette possibilité de travailler avec nous sur la question des politiques et des pratiques d'inclusion. Si un jour, on m'avait dit que Lisa Waddington serait une actrice clé dans un projet inclusif qui se façonne au sein de notre université, j'aurais souri. J'aurais arboré un large sourire. Mais est-ce que j'aurais cru cela? C'est ça la question, finalement. Cher public, ce soir, grâce à Sébastien Van Drogenbroek, qui a eu l'idée géniale de rentrer en contact avec elle, Lisa Waddington est ici parmi nous. Lisa Waddington, un nom qui résonne pour quiconque qui travaille dans le domaine de
l'égalité et de l'handicap, c'est un rêve devenu réalité. Lisa est là et permettez-moi de passer au français. Témoigne d'une détermination sans faille pour porter les droits des personnes en situation de handicap, en particulier dans le monde du travail. Lorsqu'en 1989, tu te lances dans une thèse de doctorat sur le sujet à l'Institut universitaire européen de Florence, tu partais d'une page blanche, presque. Très peu de sources juridiques à analyser, très peu de littérature à découvrir. On était bien avant la directive européenne 2078 qui interdit toute discrimination en matière d'emploi, notamment sur la base du handicap. On était bien avant la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées de 2006 que l'Union européenne ratifiera en 2010. Les États-Unis ont quelques longueurs d'avance sur le continent européen ? Qu'à cela ne tienne. En bloc trotteur que tu es, tu t'en vas séjourner un an à Washington pour t'imprégner de toutes ces avancées que dans ta thèse, tu relateras avant de la défendre à ton retour en 1993. Grâce à ta thèse pionnière et à tes multiples écrits consécutifs, tu as drainé un véritable changement dans les mentalités en y insufflant un rêve. Car you have a dream, celui de booster la reconnaissance des droits des personnes handicapées avec comme fer de lance le principe d'égalité. Ce rêve, chère Lisa, tu l'écris à deux mains ou plus. Gérard Quinn, Art Hendricks, Theresia Degener, Mark Bell, Anna Lawson, Eleanor Flynn sont autant de grands noms parmi d'autres que l'on croise à tes côtés dans les incontournables European Yearbook of Disability Law. Ou encore dans le remarquable ouvrage collectif que tu as publié avec Anna Lawson au Presse universitaire d'Oxford sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et sa réception par les juridictions nationales. Tes collègues, parfois même ses amis, que le Forum européen des personnes handicapées a contribué à réunir, tu les côtoies également dans le cadre de prestigieux réseaux internationaux et projets européens qu'à plusieurs vous avez décrochés, dont le projet DREAM. Tiens donc, DREAM pour Disability Rights Expanding Accessible Markets. Mais le rêve, c'est aussi que Lisa ne se contente pas d'écrire avec de grands noms, elle contribue aussi à créer de grands noms, à former de nouvelles générations de chercheurs, comme Andrea Broderick, évidemment, ou comme Delia Ferri aussi. Selon avec d'autres, dans une perspective historique ou comparative, Lisa Waddington ferraille avec tous les concepts du droit de l'égalité et du handicap, des aménagements raisonnables aux actions positives, en passant par la discrimination par association. Dans le périmètre scientifique qui est sien, Lisa laboure tous les champs. Emploi surtout, mais aussi consommation, santé, éducation, pas un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pas une nouvelle source décisive du droit européen ou onusien n'échappe à sa plume. Une plume limpide qui interpelle. Récemment, chère Lisa, tu écrivais que qualifier les personnes en situation de handicap de vulnérables peut être stigmatisant. Depuis, l'argumentaire déployé me poursuit car convaincant il est, mais il questionne. Une plume tout en nuances qui n'est pas moins directe. Dès le préambule de ta thèse, tu prenais soin de distinguer et préciser les notions d'impairment, disability et handicap. Avant de conclure, à la page 313, c'est le concept de normalité, je te cite, qui crée les personnes handicapées. Elle n'existe pas si ce n'est par rapport à ce concept. Mais être handicapé, peut aussi être inférieur et de second ordre. Une plume directe, disais-je, que l'on perçoit jusque dans l'intitulé de tes articles. Still getting it wrong, not disabled enough, voilà comment en 2015, tu intitulais deux de tes textes interpellant tantôt la Cour de justice, tantôt les cours européennes, quant à la manière, trop étroite, selon toi, dont elles appréhendent le handicap, et n'hésitant pas à soutenir à la suite de Anna Lawson que cette manière de trancher est elle-même source discriminatoire de handicap. Alors, Lisa Waddington, rêve des universités, cauchemar des juridictions ? Du tout. Détrompez-vous, la Cour suprême irlandaise, la CIT,
par l'intermédiaire d'une étude qu'elle a co-signée. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, n'enseigne-t-elle pas qu'il s'agit de protéger des droits concrets et effectifs, et non pas théoriques et illusoires? Lisa l'a bien compris. Lisa l'a bien compris, elle qui du rêve à la réalité n'a de cesse de descendre. C'est la réalité qu'elle veut toucher, modeler, transformer. Si Lisa aime le droit, c'est comme levier. Si Lisa aime l'université, c'est avant tout comme avant-garde. Si Lisa aime la recherche, c'est pour sa rigueur, mais aussi pour la connecter à ses valeurs. C'est que la touche Research Style, comme me l'a soufflé Joseph Damam, cette touche Research Style n'a pas vocation à rester enfermée dans des livres, mais bien à en sortir. Et d'ailleurs, Lisa Waddington elle-même sort de ce livre. Pour associer la société civile à la supervision du projet de recherche européen DARE, qu'avec d'autres collègues étrangers, elle a coordonné, pour aller présenter avec Andrea Broderick son étude sur la stratégie européenne post-2020 en faveur des personnes handicapées, pour aller jusqu'en Australie à la rencontre du professeur Paul Harper, qui a transformé l'université de Queensland en laboratoire inclusif, pour venir jusqu'ici nous partager les pratiques inclusives qu'à la faveur de ses nombreux séjours à l'étranger, elle a observé, analysé, compilé. Lisa, quand l'an dernier, tu as proposé au comité scientifique de revenir en octobre 2023 travailler avec nous nos pratiques et politiques inclusives, on y a vu un magnifique cadeau. Un de ces cadeaux qui ne se refuse pas et qu'on attrape à pleine main ce qu'on a fait. Ce n'est qu'après avoir plongé dans ton parcours que j'ai compris que loin d'être seulement un cadeau, nous transformer de l'intérieur était dans le même temps sans doute une condition de ta venue. Le rêve ne t'intéresse que s'il devient réalité. Les honneurs, que si ils drainent du bonheur. L'université, que si elle sert la société. En avançant dans ta carrière, tu n'as pas démenti les mots de ton promoteur Christopher McCridden, qui déjà en 1995 souligné en préface de ta thèse que trop souvent, je le cite, l'importance de relier la théorie aux problèmes réels et vice-versa est négligée dans la littérature académique relative aux droits antidiscriminatoires. Et il ajoutait, l'analyse de la docteure Lisa Waddington confirme l'intérêt de lier l'un à l'autre. Lisa Waddington, c'est tout ça à la fois. De la recherche de pointe à l'action réfléchie, on peut parler d'une vraie vocation qui suscite des vocations. Et si elle suscite autant d'élan, c'est sans doute parce que, tout exceptionnel que soit sa carrière scientifique, Lisa Waddington est et demeure avant tout une personne simple et accessible dont le sourire n'a d'égal que la générosité. Lisa, j'ai connu ton nom avant tes écrits. Je t'ai découverte par des écrits avant de te rencontrer. Depuis, plus encore que tes qualités scientifiques, c'est ta profonde humanité que je retiens et peux dire, mais c'est tout dire. Being a human, being Waddington. Being a human. Being a human, c'est l'intitulé de la très belle biographie de Judith Heumann, militante américaine des droits des personnes handicapées. Being Waddington, le livre n'existe pas encore. Et pourtant, chère Lisa, à ta façon, bien à toi, avec cette touche Research Style que j'épinglais tout à l'heure, tu n'emportes pas moins les mêmes combats, les mêmes valeurs qu'une Judith Heumann. Du rêve à la réalité, ton histoire mérite d'être contée, ta personnalité honorée. L'université qui s'y risquera, sache que dans le même temps, inclusive deviendra.
Attendu que Mme Lisa Waddington, née le 27 décembre 1996 à Leicester, au Royaume-Uni, est titulaire d'un diplôme en droit délivré par l'Université de Birmingham au sein de laquelle elle a obtenu plusieurs prix durant ses études. Attendu que le titre de docteur en droit lui a été décerné en 1993 par l'Institut universitaire européen de Florence, après la soutenance de sa thèse de doctorat intitulée « More Disabled Than Others, The Employment of Disabled People Within the European Community, An Analysis of Existing Measures and Proposal for Reform ». Attendu que Lisa Waddington est professeure extraordinaire en droit européen du handicap à l'Université de Maastricht, où elle travaille depuis 2004 au sein du département de droit international et européen, dans le cadre d'une chaire qui a été créée en coopération avec le Forum européen des personnes handicapées. Attendu que la professeure Lisa Waddington a écrit, co-écrit et co-dirigé d'innombrables ouvrages et articles scientifiques en matière d'égalité et de non-discrimination, en particulier dans le champ du handicap, lesquels mobilisent aussi bien les ressources de droit international européen que des analyses de droit comparé. Attendu que Lisa Waddington est impliquée dans plusieurs projets de recherche européens, a décroché nombre de financements internationaux et formé plusieurs chercheuses reconnues dans le champ du handicap. Attendu qu'elle est également l'autrice et la co-autrice de très nombreux rapports et recommandations à l'intention notamment de la Commission européenne. Attendu que Lisa Waddington est par ailleurs membre de plusieurs réseaux internationaux, comités éditoriaux et organismes de recherche, comme par exemple le Conseil consultatif du Centre de droit comparé de Berkeley en matière d'égalité et de non-discrimination. Attendu qu'elle est coutumière de séjours et conférences à l'étranger au sein de prestigieuses universités aux États-Unis, en Australie, en Irlande ou encore au Royaume-Uni. Attendu qu'en plus d'être une experte confirmée en droit du handicap et dans le domaine des discriminations, la professeure Lisa Waddington est considérée comme pionnière en Europe. Que son excellence scientifique se double du souci de faire jouer aux universités un rôle avant-gardiste en matière d'inclusion, destiné à servir de modèle à l'échelle sociétale. Attendu que Lisa Waddington allie à ses qualités professionnelles remarquables une profonde humanité dont témoignent la simplicité et la générosité avec lesquelles elle partage son expertise engagée. Attendu qu'un tel parcours académique, scientifique, citoyen et personnel synthétise tout ce que notre université tient en plus haute estime et incarne les valeurs qu'elle s'efforce de transmettre à ses étudiantes et ses étudiants. Attendu que Lisa Waddington représente une puissante force inspiratrice et transformatrice dans le cadre du tournant inclusif que notre université a emprunté quelques années, nous, Pierre Jadoul, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons Lisa Waddington, docteur honoris causa de l'Université Saint-Louis-Bruxelles. That's a gift in the name of Atelier Indigo. And because we je vous remets ce titre.
l'Université Saint-Louis-Bruxelles me fait un grand honneur aujourd'hui par l'octroi de ce doctorat honoris causa. Je souhaite exprimer toute ma gratitude à l'égard du conseil d'administration et du recteur de l'université, le professeur Pierre Jadot. Je voudrais aussi remercier le vice-recteur à la recherche, le professeur Yves Catherine. Je suis profondément reconnaissant aux membres du comité scientifique, le professeur Sébastien van Drogenboek, le professeur Jochen Frieling, le professeur Nicolas Marquis et en particulier la professeure Perrache. Enfin, je remercie le personnel de l'Université Saint-Louis pour l'organisation de cet événement et les traducteurs qui le rendent accessible à une large audience. Je vais continuer en anglais. Aujourd'hui, je souhaite explorer un thème qui m'est cher, les obligations juridiques des universités en ce qui concerne l'emploi et ce que font les universités par rapport au fait d'honorer les obligations. Je suis membre du personnel d'une université et également je souffre d'un handicap. Je dirais que tous les étudiants, le personnel des universités, ayant un handicap ou non, eh bien, sont concernés. Les personnes avec un handicap doivent effectivement relever des défis supplémentaires. Et les universités ne sont pas une exception à la règle. Si une université peut éliminer ou réduire au minimum tout ce qui est obstacles environnementaux, à ce moment-là, l'université va créer un environnement où des personnes avec handicap et des personnes sans handicap pourront aller de l'avant. Et il faut s'assurer qu'on ait affaire à un bon employeur tenant compte de toutes les diversités, ce qui rendra cette université un lieu opportun pour étudier. Également, c'est important de montrer l'exemple. Il y a également la question de la culture. Et puis, il est important de ne pas être considéré, bien entendu, comme un problème. Et il faut éviter de stigmatiser qui que ce soit. C'est important, c'est pertinent pour nous que toutes nos universités soient inclusives pour ces personnes, notamment en situation de handicap. Trois éléments, si vous me le permettez. Tout d'abord, la question des obligations que l'on retrouve dans la Convention des Nations Unies en ce qui concerne les droits des personnes en situation de handicap. Et donc, effectivement, il s'agit d'un des traités clés des Nations Unies. Il y a ce changement de paradigme, c'est-à-dire que les États qui font partie de la Convention doivent s'assurer que leurs politiques, lois et actions soient alignées avec cette Convention. Et l'idée est de ratifier ces textes. Il faut qu'il y ait cette nouvelle compréhension des droits humains concernant ces personnes en situation de handicap. Ce changement de paradigme est reflété dans la compréhension et dans les définitions. Il s'agit du fruit d'interaction entre la personne et les obstacles à surmonter. Il peut s'agir d'obstacles physiques, obstacles juridiques, des obstacles liés à l'attitude et au comportement d'autrui. La Convention des Nations Unies ne détermine pas des obligations rigides en ce qui concerne tout cela. Et l'idée est d'explorer les obligations générales, et là on parle vraiment plus précisément de l'article 27 en fait. Et ensuite, deuxièmement, dans la présentation, je vais me pencher sur un exemple, un cas aux Pays-Bas impliquant un cas d'affaire de discrimination
à l'encontre d'un employé de l'université. Et puis, tertio, je mentionnerai des exemples de bonnes pratiques, de principes clés d'action concernant l'emploi du personnel avec ou en situation de handicap. C'est une question de guidance pratique et pour commencer, la Convention des Nations Unies, l'article 27 de la Convention se penche sur la question du travail et de l'emploi. L'idée est reconnaître le droit aux personnes en situation de handicap d'exercer un travail à pied d'égalité. Il y a les obligations. Et là, on parle du secteur public, mais également du secteur privé, bien entendu. On parle des employeurs du secteur privé et public. Et il y a la question d'interdire toute forme de discrimination sur la base de handicap. Et il y a la question de la protection des droits des personnes en situation de handicap. On parle vraiment d'équité en matière de conditions de travail, égalité des opportunités, salaire égal. Et il faut s'assurer également qu'un aménagement approprié soit proposé à ces personnes en situation de handicap. Un commentaire général, le commentaire général numéro 8 a été adopté. Passage important pour comprendre les obligations qui incombent aux employeurs tels que les universités. Je vous invite à considérer ou et évaluer pour pouvoir déterminer si votre université fait ce qu'il y a d'ores et déjà lieu de faire en matière d'égalité des chances et en matière de non-discrimination. Il y a donc l'article 27. On doit tenir compte de tout ce qui est cycle d'emploi, recrutement, programme de formation, avancée en matière de carrière. Il y a de la discrimination directe, de la discrimination indirecte. Il y a la question du harcèlement également. Et puis, il y a tout ce qui est également discrimination par association ou discrimination individuelle. Le déni d'agencement raisonnable se présente et puis il faut évaluer pour pouvoir déterminer si on a mis en œuvre ce qu'il y avait lieu de mettre en œuvre pour pouvoir accueillir tout un chacun. Ce qui importe, c'est de rendre les informations accessibles à toutes ces personnes. Il faut qu'il y ait la possibilité de faire du télétravail, faire appel si nécessaire à un interprète, par exemple, entre autres, mais pas que. Les employeurs publics et privés doivent avoir un processus clair et accessible en matière de demande. Et quand un obstacle est identifié, il faut pouvoir corriger le tir. C'est-à-dire, primo, l'organisation doit travailler avec l'individu pour identifier des solutions potentielles, pour écarter, éviter des obstacles. Et cela inclut l'identification de la solution préférée de la personne avec un handicap. Deuxièmement, l'organisation doit mettre en œuvre la solution préférée, sauf si cela risque de mener à un fardeau trop important, auquel cas l'organisation doit mettre en œuvre une autre solution, une solution qui n'inclura pas pareil fardeau. Un manquement de la part d'une organisation dans cette mise en œuvre de ces étapes signifierait le refus d'une infrastructure adaptée et raisonnable. La Convention des Nations Unies a été ratifiée par la Belgique et tous les autres pays de l'Union des Nations Unies et par l'Union européenne.
Et puis, il y a la question de l'égalité des salaires, le contenu, la question des conventions collectives, considération en matière de promotion sur, ou à pied d'égalité plutôt. Et puis, il y a la question de la disponibilité de cours de formation accessibles à des personnes en situation de handicap. Les employeurs doivent respecter la confidentialité, la vie privée des salariés. Et il y a la question du partage de certaines informations, de la non-divulgation de certaines informations. Maintenant, si vous me le permettez, un exemple assez typique, malheureusement. C'est un exemple des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le droit sur le traitement équitable des personnes en situation de handicap, dans ce texte, il est précisé qu'on interdit toute forme de discrimination et, bien entendu, il y a la question du cadre approprié. Et puis, il y a la question de la gestion des plaintes. Je vais vous parler d'un exemple précis, une affaire en 2019. Il s'agissait d'une femme souffrant d'une forme d'autisme. Son employeur, une université dans l'ouest des Pays-Bas, et on avait demandé à cette personne de travailler pour un institut. Et l'idée était qu'elle se penche sur des projets de développement, etc. L'institut était connecté à l'université et il en était ainsi. Et il semblerait que cette personne n'ait pas atteint les objectifs à atteindre. Et c'est vrai que les collègues dans l'Institut ne souhaitaient pas travailler avec elle. Et dès lors, elle n'a pas pu atteindre ses objectifs, puisqu'elle n'était pas soutenue. Alors, cette personne a été coachée par la suite et elle a demandé effectivement de pouvoir recevoir des informations par écrit. Elle a demandé également qu'on ventile les tâches pour qu'elle puisse accomplir les tâches une à une plutôt que devoir gérer toutes les tâches au même moment. Et puis, il y avait la question des échéanciers. L'Institut avait le sentiment de ne pas pouvoir aménager l'infrastructure appropriée pour cette personne. Et ainsi, il fallait voir ce qu'on entendait par une infrastructure appropriée. Et on s'est rendu compte que les informations étaient telles qu'on a pu déterminer que les problèmes rencontrés sur le lieu de travail étaient clairement liés à la situation ou handicap de la personne en question. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Non. And it noted that following the coaching, the claimant had successfully worked on two internal projects. The human rights body also found that the institute had not allowed the claimant. L'institut n'avait pas permis à la demanderesse de se pencher sur des projets externes. L'idée était de voir ce qui était faisable ou pas. L'employeur n'était pas
en mesure de déterminer si la demande reste était à même ou non d'accomplir les tâches qu'on lui demandait. Alors, des actions n'ont pas été prises à l'encontre des collègues qui refusaient de travailler avec cette personne en situation de handicap. Et on s'est rendu compte qu'il y avait cette responsabilité qui incombait à tout un chacun. Ainsi, les conclusions abondaient dans le sens qu'il y avait des manquements quant aux obligations, quant au fait de proposer un cadre approprié et adapté pour cette personne en situation de handicap. Je vous présente cet exemple-ci, cette affaire, parce qu'il y a pas mal d'éléments communs quand on parle justement de personnes en situation de handicap évoluant au sein d'une université, par exemple. A failure to investigate with the person with a disability whether a reasonable accommodation would allow her to do the job, and that in itself is a failure to provide a reasonable accommodation, and a failure to address discriminatory behaviour of colleagues, and a failure to remove barriers which prevent the worker with a disability from doing her job. So, I now want to talk about some examples of good practice. Je voudrais maintenant vous parler de quelques exemples de bonnes pratiques. Nous avons ici quelques lignes directrices par lesquelles je voudrais terminer ma présentation, vous donner un certain nombre d'exemples de ce que j'ai déjà pu faire, de ce qui a déjà été dit lors d'une des réunions, des réunions que j'ai pu organiser en Australie. Mais il ne s'agit pas évidemment uniquement d'éliminer tout ce qui est discrimination qui existe ou de une garantie d'inclusion. Mais durant cette présentation, je vais certainement parler de ce type de boîte à outils. Je vais vous donner quelques exemples de bonnes pratiques dont j'espère que vous les trouverez intéressants, et j'espère aussi qu'ils vous encourageront à progresser vous-même dans vos différentes universités. Je voudrais commencer par mentionner quatre principes qui me paraissent essentiels dans le cadre de l'inclusivité des étudiants qui sont porteurs d'un handicap. L'inclusion dans la transition, le contrôle et le soutien de la direction sont essentiels. Mais rien qui nous concerne ne doit se passer sans nous. Eh bien, pour introduire ce genre de développement, c'est très positif pour l'université. Et ce sont des politiques, celles desquelles je vais parler maintenant, qui concernent tout le monde. Tous les membres actifs dans l'université, tous les travailleurs y occupés et tous les gens qui ont une expertise qui soit capable de développer une politique qui fonctionne, qui soit en rapport avec les objectifs de l'université, parce qu'elle permet d'amener vers une politique qui soit meilleure. Elle est reliée à l'obligation de se développer, et pour ceux qui ont toute l'expertise nécessaire, eh bien, c'est en rassemblant tous les gens concernés qu'on parviendra à ce genre de choses. Les exemples que je voudrais vous présenter ici sont ceux de la présentation des gens concernés par le handicap. C'est en 2016, le professeur Paul Harper, qu'on a essayé de déterminer que rien ne pouvait se faire sans que les gens concernés ne soient impliqués. Ça implique la prise de décision, les programmes, les politiques qui doivent absolument recourir au soutien du personnel et des étudiants qui sont concernés par le handicap. Et le développement, la mise en œuvre des initiatives d'inclusion des gens porteurs de handicap permettent de soutenir le plan d'action
des universités concernées. Et dans les cas où on arrive à ce genre de choses, eh bien, on tend la main vers les gens qui sont concernés et on les aide à reconnaître, de même que les gens qui les entourent, les barrières existantes, ce qui permet d'autres membres et d'autres universités à atteindre ce même objectif. Ce sont les étudiants qui sont passés par ce type de problème, qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient membres du personnel des universités, qui peuvent déterminer quels sont les problèmes et partager ce type d'informations dans le cadre de l'assistance que va apporter le professeur Paul Harter, aide à la diversité et à l'inclusion, à l'introduction du groupe concerné au niveau le plus élevé de la prise de décision des universités. Et ça donne également l'occasion de développer des capacités et des qualités de direction à des personnes qui sont porteuses d'un cap. Et un groupe de direction au sein de l'Université de Londres a également été impliquée et elle a agi en tant que corpus de gens qualifiés. Ça a été une source de référence importante également. Pourquoi c'est important d'impliquer tous les étudiants et membres du personnel porteur de handicap? Eh bien, parce que c'est aussi important que d'être conscient de tout ce que ça implique au niveau de leur fatigue, de devoir en permanence représenter les problèmes qu'ils ont. Parce que au niveau personnel ou au niveau d'une institution, il faut absolument prévoir une approche systémique. Et ce changement systémique dans l'Université de Queensland a impliqué des membres de cette zone essentielle aux universités, les affaires étudiantes, la propriété, la bibliothèque, les services technologiques, et la sécurité et le bien-être au sein de l'université. Tous ces groupes-là ont été mis en capacité de développer un réseau de diffusion de toutes les informations relatives au changement qui devrait être introduit. Alors, avant de présenter le professeur Palaver qui est au centre et à droite, nous avons la professeure Elizabeth Redden de Griffith, nous allons parler d'elle dans un second, et je suis à gauche de Paul. Et nous sommes là à la Griffith University de Brisbane en mars. Et le deuxième principe est celui qui se rapporte au fait que l'inclusion du handicap doit être introduite dans toutes les approches et politiques. L'inclusion ne doit pas juste être un petit supplément, elle doit faire partie de l'approche quotidienne des activités du personnel, la manière dans laquelle les gens interagissent entre eux en tant que membres du personnel ou avec les étudiants. Par exemple, l'inclusion devrait faire partie de la formation donnée aux membres du personnel. L'inclusion doit faire partie de ce corpus de formation tel qu'on le développe progressivement au sein du Royaume-Uni. Troisième principe, des objectifs doivent être déterminés pour permettre d'arriver à cet objectif que nous poursuivons. Il faut savoir quels sont les objectifs qu'on poursuit, il faut savoir dans quel délai on essaie d'y arriver. On essaie de voir un petit peu que les universités qui sont à la pointe de ce combat déterminent que des actions doivent être mesurables, être dirigées de façon claire et les priorités doivent être déterminées avec des jalons qui doivent être atteints progressivement. Ceci peut être atteint en établissant un plan d'approche et d'attaque. De nombreuses universités disposent déjà de ce genre de plan d'action ou de programme. L'Université de Queensland, en 2023, a déterminé un tel plan de 2020 qui porte sur 2023 à 2025
et qui répète en 8 points ce qui peut être fait. L'Université de Leeds dispose également d'un ce type de cadre égalitaire et d'un document si important. Alors, la surveillance de des succès remportés et des échecs auxquels on aurait été confrontés devrait être introduit dans ce qui a déjà été développé. La surveillance devrait permettre de voir quel a été l'impact de leur politique au niveau de la progression de la situation de leurs personnels et des étudiants concernés. Et il faudrait que tous ces progrès et développements soient rapportés. Il est important qu'on dispose des résultats des mesures prises. Un quatrième principe est celui qui porte sur le leadership qui doit être pris au niveau le plus élevé de l'université. C'est quelque chose de très important pour l'université. C'est quelque chose qui est un message qui doit être envoyé vers tous les étudiants, que de savoir ce qu'on attend de leur part au niveau de l'inclusion. L'inclusion des gens porteurs de handicap doit être l'une des valeurs clés au centre du développement de l'université. Ça doit être bien compris par les étudiants et par le personnel de l'université. Et je voudrais maintenant parler de quelques aspects plus spécifiques. L'amélioration de tout ce qui aurait été atteint doit être évaluée. On doit créer un espace dans lequel les gens concernés puissent se réunir. Et au niveau du recrutement, il faudrait qu'on sache exactement une approche bienveillante, accueillante pour les gens porteurs de handicap lors de leur recrutement. William Zoral et Larissa Yarodora, qui ont développé 10 façons par lesquelles les universités peuvent approcher le rejet, des modes inclusifs d'attraction pour attirer et sélectionner les candidats sont également prévus. Il y a une approche linguistique qui doit leur faciliter l'entrée au sein de l'université. Au niveau du recrutement, il faut considérer la possibilité de mesures alternatives d'évaluation de la productivité lorsqu'on choisit de nouveaux candidats. Et la manière à laquelle on détermine les possibilités de progresser dans la hiérarchie au niveau de la promotion. Il faut garantir une infrastructure qui soit raisonnable et qui permette le recrutement de se faire dans les conditions les meilleures possibles. Il faut que ça ne dépende pas que de financement, mais de ressources et de volonté. Il faut qu'on puisse inviter un candidat à une interview évidemment, il faut que la personne concernée soit d'accord avec la présentation de son état de moins valide auprès du panel qui l'interrogerait. Il faut qu'on ne perde pas de vue la tenacité qui est requise, et c'est elle aussi qui sera requise à la part de l'université. Créer un espace dans lequel le personnel qui serait affecté puisse se réunir, c'est très important. Il faudrait qu'on dispose d'un réseau qui porte sur la recherche relative au handicap de par l'université. Ça permet de se concentrer sur le problème. Il y a moyen peut-être de prévoir une formation relative à cet aspect. Et pour donner un exemple d'un réseau de recherche, à l'université Griffiths à Brisbane, l'université a concentré son programme de recherche interdisciplinaire centré sur un futur inclusif. Et c'est Elizabeth Fandom qui le dirige. C'est 200 membres du personnel de l'université participent à ce réseau de recherche. Et un certain nombre d'entre eux sont affectés par des handicaps de différents niveaux. Et permet de co-créer un programme de recherche qui a permis de rassembler des millions de dollars pour son développement. Arrivons-en à l'évaluation
des résultats. Eh bien, à partir du moment où on considère que la promotion est un élément important pour évaluer la performance et les possibilités de développement, il faut que ça soit fait en considérant les rapports de soins, les éventuels congés de maladie. L'Université de Melbourne dispose d'une telle politique. Le personnel qui a des problèmes dus à des circonstances personnelles au moment où ils sont évalués sont considérés de la façon la plus appropriée. Et on ne doit pas seulement attendre que les gens considérés soient évalués sur base de leur performance. Il faut que ce qu'ils ont réalisé soit fait en considérant les capacités desquelles ils disposent. Il est bien clair qu'il y a une limite à ce que on peut envisager au niveau des congés de maladie, mais il faut bien comprendre aussi que c'est en fonction d'une certaine norme bien claire qu'on peut éventuellement envisager une approche appropriée. Je vais vous donner quelques exemples de ce que j'essaie de dire. Pourquoi est-ce que des gens qui travaillent dans certains cadres peuvent ne disposer que de possibilités réduites? Peut-être qu'un membre du personnel devra attendre que des dispositions soient prises pour accéder de façon appropriée à un logiciel spécifique ou à une formation spécifique. Les opportunités se réduiront d'autant qu'il devrait attendre plus longtemps. Et donc, il devra attendre plus longtemps pour être évalué. Il pourrait néanmoins être évalué de façon correspondante à la façon habituelle, mais ce n'est pas possible de le faire de façon appropriée avant qu'on ait réalisé toutes les modifications nécessaires. Et pour une raison qui sera en rapport avec son handicap, eh bien, il faut bien comprendre que ça a une influence sur le résultat qu'il obtiendrait. Les normes relatives à la qualité doivent être respectées et non pas celles relatives à la quantité. Les membres du personnel qui disposent de façon réduite des capacités à s'exprimer lors de conférences devraient également être considérés comme tels. Et c'est à ce moment-là que le résultat de la recherche pourrait être évalué de la façon la plus appropriée. Il devrait donc, le cas échéant, se voir attribuer une série de tâches qui ne soient pas normatives et un environnement qui soit approprié. Ça permet de se concentrer à ce qu'ils sont capables de faire plutôt que de devoir réaliser des tâches qui sont au-dessus de leur capacité. Ils ne devraient jamais être évalués que sur base de ce qu'on leur a demandé de faire et non pas sur base de ce que quelqu'un d'autre qui serait dans l'opposition aurait été capable ou dont on aurait attendu qu'il la réalise. Maintenant, en arrivant aux politiques spécifiques et à l'environnement et à l'équipement raisonnable qui leur permettent de le réaliser. Les politiques d'investir qui sont relatives aux membres du personnel porteur de handicap prévoient des règles qui permettent qui prévoient un comportement et qui prévoient de rendre capable le personnel concerné de réaliser les tâches qu'on leur demande. Sur quoi portent ces politiques spécifiques? Eh bien, je voudrais en parler maintenant. C'est très important de disposer d'une politique écrite relative au cadre au cadre duquel on parle, en précisant ce qu'il représente, ce qu'on attend de l'université. Il est important que cette politique reconnaisse que c'est un devoir légal et que c'est un droit pour la personne porteuse de handicap de disposer
de cet équipement. Revenons à l'Europe. Le Trinity College à Dublin dispose d'un code de pratique applicable pour employer des personnes porteuses de handicap qui vont plus loin qu'un équipement basique. Et ce code prévoit ce à quoi les gens ont droit, mais également ce que les gens de la direction doivent prévoir pour les aider. Il y a moyen de déterminer alors l'équipement basique que les gens porteuses d'un certain type de handicap peuvent aspirer à obtenir. Et bien entendu, les uns et les autres peuvent ne pas avoir l'expertise idéale pour répondre ou comprendre les besoins de l'un ou de l'autre, mais au cours des ans, le Trinity College a développé une expertise toute particulière qui les a aidés à réaliser ça. Et c'est là qu'on constate que des spécialistes, des psychologues, ont réussi à développer l'équipement et des technologies qui 12 membres du personnel sont spécialisés dans le soutien aux personnes concernées. Et c'est quelque chose qu'une importante université réalise et ça les aide à être un meilleur endroit pour l'apprentissage de ce qu'ils enseignent alors qu'ils en profitent de façon indirecte. La mise en œuvre des équipements desquels nous parlons, qui ont été identifiés par le service des handicaps, implique des frais et le financement de ça est prévu au niveau central de l'université. Le service de Trinity College prévoit un lieu de rencontre pour les étudiants et pour les membres du personnel porteurs de handicap et ça contribue à une meilleure ambiance au sein de l'université. Je voudrais conclure maintenant et faire quelques références littéraires à tout ce dont nous venons de parler. Et ça vous permettra d'aller bien plus avant que ce que j'ai pu évoquer ici. Donc, tout d'abord, je recommande absolument la lecture de Times Higher Education, notamment les articles qui s'appellent « Routes to Improving CLP ». Et on peut retrouver ensuite un certain nombre d'articles qui portent sur le personnel porteur de handicap sur la page de garde. Il prévoit 10 phases pour recruter ou de façon égale ou égalitaire les porteurs de diplômes et académiciens porteurs de handicap. Et les 10 façons lesquelles on peut lutter contre leur rejet et où sont les maîtres à penser dans l'éducation supérieure. Et donc, c'est Carol Evans et Dr. Xiao Zhongzong ont écrit un livre, Disability Inclusion Framework, qui parle d'une du handicap qui est comme étant à la base d'une inclusion appropriée dans le cadre du contexte qu'il prévoit et qu'il présente. Et c'est le niveau de qualité relevé dans ce document sur base de 12 points qui sont évoqués qui permet de mieux comprendre. Il y a 3 concepts. La possession partagée de la mise au pouvoir, le fait de donner le pouvoir et l'indépendance aux personnes concernées leur garantissent un accès égalitaire. Ce qui fait que j'espère vous avoir présenté maintenant que les obligations nationales sont essentielles au sein des universités pour assumer leurs responsabilités vis-à-vis des gens porteurs de handicap.
tout ça, malheureusement, implique toujours des barrières discriminatoires, mais il y a des tas de choses que les universités peuvent faire et un cadre peut être établi qui permette d'éviter ou de réduire ces discriminations et vis-à-vis des gens porteurs et porteuses d'handicap. Ce n'est que dans cette mesure-là que tous ensemble, nous pourrons apprendre les uns les autres. Merci beaucoup. Huge thank you for your wonderful presentation, which was extremely clear and rich with perspectives. The least that can be said. Merci, Lisa. Je pense que le moindre, vraiment le moindre qu'on peut dire, c'est que l'exemple que tu as donné nous donne de la matière à penser et nous montre que nous avons encore des tas de choses à faire. Nous avons établi un certain nombre de cibles, nous avons des objectifs. Il faut que nous clarifions ce que l'inclusion signifie en tant qu'objectif. Mais heureusement, tu seras encore là pour nous guider et nous te remercions. Mais avant que, grâce à toi, nous devenions plus inclusifs que ce que nous sommes actuellement, nous allons peut-être prévoir un petit interlude des ateliers. Ingo, qui nous présente maintenant. Many thanks to Antoine and les ateliers Indigo to have accompanied us so well. Merci à Antoine, atelier Indigo, un tout grand merci de nous avoir accompagnés. Alors on a l'exposition du travail
Maintenant que c'est la fin de la conférence, la fête peut commencer. Un tout grand merci. Merci à Lisa. Merci d'avoir répondu présent. Nous ce soir. Merci à Lisa. Merci à tout le monde. À vous qui nous avez merci à tous ceux et celles qui sont en ligne. Nous allons avoir maintenant le drink de l'amitié présent. Que nous allons partager. Et faites de même à distance. Nous allons passer alors, à la salle d'examen pour la réception. La réception peut commencer. À votre gauche. C'est à gauche ici, en quittant en la salle. L'escalier et voilà, à tout à l'heure pour le drink de l'amitié et que la fête commence. Merci.